Nous sommes le plus souvent dans la vie contraints de devoir explorer des chemins qui vont dans des directions extrêmement diverses et variées, mais qui ont toutes un but ou en tout cas une étape obligatoire, celle de devoir rencontrer des autres personnes qui cherchent également un chemin. Ces personnes vont avoir une incidence sur notre vie, envers et contre tous, sans que nous puissions faire quoi que ce soit. Ils vont peut-être nous permettre de faire basculer les choses dans notre vie personnelle, ou peut-être nous faire changer de chemin, qui sait, mais ils auront une incidence. Parfois même, ces personnages vont nous obliger à changer de chemin, à prendre une direction qui nous empêchera d'avancer correctement, mais surtout, nous faire prendre un chemin qui nous incitera à une remise en cause totale. Ce que l'on pourrait littéralement appeler un chemin de croix, un vrai parcours du combattant. Cela peut être vu comme une manière extrêmement fataliste de voir les choses, mais il faut également voir tout le bien que ça apporte. Ce chemin sera difficile, parfois même insurmontable et assez terrible à devoir affronter, mais il sera tout de même essentiel pour que nous puissions correctement avancer dans notre vie par la suite. Car si l'on peut voir dans cette difficulté un chemin infranchissable, il y a autre chose derrière cette idée d'étape. Derrière ce chemin de croix se cache en réalité une rencontre qui a changé notre vie. Pour le pire certes, en tout cas au début, mais ensuite, qui sait, cela deviendra peut-être pour le meilleur, et peut-être même que cela laissera la place à une rédemption totale qui nous incitera à rester avec cette personne, quitte à ne pas savoir du tout comment voir les choses par la suite et à se tourner vers elle pour des conseils. Un choix extrêmement difficile à faire en somme, mais que finalement, nous, êtres humains que nous sommes, on a dû faire toute notre vie. La rencontre de deux âmes vouées à chanter leur histoire, celle du conte et de la légende urbaine, celle de la science-fiction et de la vengeance, d'un homme et de l'espace, ou encore de deux sociétés qui n'ont que peu à voir l'un avec l'autre. C'est ce qui découle d'une semaine vaste et finalement évidente en termes de sortie. Au fond, l'histoire de l'humanité est peut-être cristallisée au travers de ces quelques rencontres et de ces quelques chemins, qui en une fraction de seconde se croisent puis se décroisent. Mais vont au moins affronter un petit morceau de ce monde ensemble, le temps d'une lutte peut-être perdue d'avance, mais qui ne le sera pas pour eux. Oh non, cela est sûr. Car une histoire vécue, même à moitié, vaut certainement le meilleur des chemins le plus tranquille et finalement peu intéressant qui soit.